Je suis très reconnaissant à la FNDC pour l'occasion de discuter de la situation politique en Guinée. Je suis là avec mes collègues de l'ambassade et du ministère des Affaires étrangères à Londres pour discuter de la situation actuelle, pour bien comprendre comment le Royaume-Uni peut soutenir et accompagner le processus vers les élections. Il reste une priorité pour le gouvernement britannique de soutenir le processus de transition en Guinée. Et pour cette raison-là, c'est important pour nous de parler avec les différents acteurs politiques dans le pays, de bien comprendre leurs soucis, leur position. Et ça peut nous bien informer de comment nous pouvons aider le pays vers la démocratie. C'est notre position de voir les élections transparentes, crédibles sans beaucoup de retard, mais il faut reconnaître certaines étapes qui sont nécessaires avant les élections et les discussions comme aujourd'hui sont très utiles pour ça. Vous avez suivi tout à l'heure le compte-rendu fait par son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de la Grande-Bretagne, qui est venu accompagner Madame Sarah, qui est une analyste au ministère des Affaires étrangères britannique. Et la rencontre a porté sur la situation sociopolitique du pays. Nous avons présenté des actes positifs que le CNRD a posés depuis le 5 septembre 2021. Et nous avons également présenté des impairs du processus en cours qui peuvent avoir des conséquences négatives sur le déroulement normal de la transition. Et la rencontre a été très cordiale et je crois que son Excellence et Madame qui est venue de la Grande-Bretagne ont décidé de maintenir le contact avec nous pour continuer à commenter la situation sociopolitique du pays. Vous savez, le FNDC est cette organisation qui est la sentinelle de la démocratie. Donc nous continuerons à recevoir et à échanger avec tous les partenaires et amis de la Guinée, de la communauté internationale et sur le déroulement de la transition et pour la réussite de cette transition. La plus grande préoccupation, c'est la durée de la transition. Jusqu'à date, nous n'avons pas encore la durée de la transition et ça, c'est une préoccupation inquiétante. Et la deuxième préoccupation inquiétante, au niveau du FNDC, c'est le manque d'un cadre de concertation formel entre le CNRD et les forces vives de la nation. Vous savez, à l'absence de dialogue et de consensus, peuvent toujours paraître comme étant des sources potentielles de conflits et d'incompréhension entre les acteurs. Et nous sommes dans une transition. La transition est une période d'exception. Et dans une période d'exception, la base de la gouvernance doit être le consensus et le dialogue. Donc c'est pourquoi, ou le dialogue, donc c'est pourquoi nous avons insisté là-dessus. Et nous pensons qu'il y a d'autres impairs également que nous avons communiqué aux officiels britanniques. Donc je crois qu'ils ont pris bonne note, et parce que c'est notre rôle de plaidoyer également pour la réussite de la transition. Nous allons maintenir le contact, maintenir des discussions, parce que l'objectif final, c'est d'accompagner les autorités de la transition pour que cette transition puisse réussir pour l'intérêt supérieur de la Guinée et du peuple de Guinée.
Thank you.